Bonsoir, tout dépend de l'heure que vous pouvez regarder vidéo, non? C'est avec vous, Denise Exil Pierre-Paul, qui dit vous merci parce que vous remettez la page là, vous partagez, vous commentez et puis vous abonnez. Et vous invitez l'autre monde tout pour vous abonner avec moi. Je dis un grand merci pour ça. Un grand merci à vous qui avez aimé, commenté, partagé et abonné. Un grand merci à vous. Nous avons un programme Cuisiner avec Denise. Nous allons présenter où gâteau à la manière d'haïtienne. Gâteau au goût haïtien. C'est ça que nous allons présenter là. Nous avons déjà les mises en place. Vous savez déjà c'est quoi mise en place. Mise en place, c'est tous les ingrédients dont vous aurez à utiliser. Ils sont déjà là. Tout ça, nous avons besoin pour nous servir dans le gâteau au goût haïtien. Ils sont déjà là. N'a parti. Partons maintenant. Nous avons farine tamisée. Nous avons sucre. Nous avons Crisco ou bien beurre. Nous avons carnation. Les carnations. Nous avons œufs. Poudre de cannelle, essence, poudre élévation, sel, zeste citron. Et puis nous avons mesuré nous là, bagaille que nous n'avons pas utilisé pour mesurer. Nous avons une spatule en plastique pour nous nettoyer. Nous avons une batteuse à la main pour nous battre si vous n'avez pas une batteuse électrique. Nous avons un passoir que nous avons utilisé pour nous tamiser farine nous avec sucre nous. Et nous avons une batteuse électrique. Nous avons une batteuse électrique nous. Nous avons un beurre avec sucre qui déjà bat dans le bol ça. Et nous avons jaune œuf. Nous avons blanc œuf. Moule graissé et fariné. Nous avons là. Et maintenant, la fois qu'on est que nous avons fait toute préparation déjà pour conserver le temps, nous avons battu le sucre là avec beurre déjà. Nous avons séparé blanc œufs avec jaune œufs. Bien entendu, on a besoin de séparer les blancs des jaunes. On aura à séparer les blancs des jaunes, à savoir les œufs. Moi, quitte un grain d'œuf pour montrer nous démonstration parce que c'est déjà fait. Pour séparer les blancs des jaunes, on casse la tête. Casser la tête. Ajouter les blancs dans un récipient. Mettez blanc d'un côté. Et puis mettez jaune dans l'autre côté. Mais jaune non. M'ajouter jaune dans là. Bien entendu. Mais j'aime notre table paraître là. Pas besoin de séparer les. Dans le bol là, m'a tout retiré. J'aime. Puisqu'on prépare gâteau à la manière d'haïtienne, on extrait le germe. OK? Nous mélangeons jaune nous. Faire des revenus. N'a pas ajouté essence. Essence. Essence vanille. Poudre cannelle, zeste citron. Ok. Poudre cannelle, zeste citron, essence. C'est tout? Ok. Maintenant, n'a pas ajouté le beurre avec sucre qui était déjà bas. Ajouté le. On appelle ça revenu. On fait des revenus. C'est pour nettoyage. Pour sûr que tout beurre ou tout ta fo rentre, ou utiliser yon tamis, yon spatule en plastique. OK. Tout ça n'a pas besoin nous mettre yon côté. OK. C'est parti. Parti.
nettoyer de temps en temps pour sûr que le mélange est bien fait. Ok. Et qu'on y a là, on va commencer à mettre farine. Farine, moi qui t'ai déjà tamisé, je vais ajouter farine. Mettez une tasse farine. Pas oublier de ne faire rien avec pour d'élévation, non? Mettez une tasse farine que ma batte, ma fait mélanger. Ma bien mélanger farine, pour sûr qu'elle bien mélanger. À chaque fois que je mette farine, le mélange est fait, je vais ajouter liquide, à savoir l'incarnation. Ok, ma fonti nettoyage avant pour m'sûr que farine nan bien fond nan beurre pas gen boule qui va rete et puis qu'on y a là m'a bien mélanger li après ça pour m'ajouter liquide moi après ça bien laver parce que pour conserver le temps ça yo tellement coupe nan men nou en pays ici. Ok, donc on y a là, on va ajouter liquide. Je vais toujours utiliser, parce que c'est deux tasses de lait que je vais utiliser. Tasse pour me faire mélange. Ok, je vais ajouter lait là. Je vais faire mélange. Il y a un programme cuisiné avec Denise. Et la présenter pour vous, gâteau à la manière d'haïtienne. Ok. On va prendre une deuxième tasse qui va mouiller. Ok. Ok. C'est 4 fois, nous mettons en. Sous deuxième portion farine nous là déjà nous séparer farine en quatre même si nous pas montrer aux séparation mais c'est en quatre temps n'a fait mélange et dans quatrième portion moi nous va l'ajouter poudre élévation en c'est lui même qui va faire gâteau à monter. Que farine nous bien fond nous fait nettoyage là pour nous montrer pour nous garantir que farine nous bien fond avant nous ajouter deuxième portion lait là nous sous deuxième portion farine nous déjà nous va l'ajouter deuxième portion lait là le mélange là fini bien fait. Ok, ça c'est batteuse électrique. Sous pas des batteuses électriques vous capable d'utiliser cuillère bois. On peut utiliser une cuillère en bois en place en lieu et place de la batteuse électrique. Ok, c'est mélangé. On va ajouter deuxième portion lait là. On va mélanger encore. Deuxième portion lait. Bien mélangé pour y aller, c'est prêt. Troisième portion farine. Bien rapide. La fait ça là. Donc je dis nous l'aime faire. L'aime montrer nous ça nous fait. Il faut que nous présente nous. Réussite là. Ma bien pour montrer nous. Gâteau à dans une autre vidéo. Là c'est troisième portion farine. Troisième portion farine, non? C'est lui-même m'ajouter là. Troisième portion farine, non? Papier ou après gâteau à la manière d'haïtienne. Bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger. Sûr que mélange moins bien fait, farine moins bien fond, moins à nettoyer. Tout petit crasse farine qui t'est tombé sous côté,
bol mwen ou bien ti cuvette mwen mwen ap nettoyer. OK? D'accord. Ça fait mélange non? Ouais, ça m'a fait, hein, ouais. OK, mélange moi fin fait là. Moi pour aller ajouter troisième portion lait moyen. Il est toujours, il est tout. On va ajouter troisième portion lait moyen, ça m'a pas besoin de mettre au non. Côté pour jeter après. Ça c'est troisième portion lait moyen. Quatrième portion farine non. Là moi ta supposé ajouter pour d'élévation mais ma quitte un vieux petit casse farine pour m'ajouter pour d'élévation yon façon parce que pour d'élévation tellement travail rapide l'eau fin ajouter li ou pas ou sans ni dégage bien rapide là pour entrer ça pour entrer dans moule donc par conséquent m'a ajouté quatrième portion farine non. Ma quitte un petit crasse tout petit, nous pas même relé le portion même. C'est avec lui que me va mettre pour d'élévation parce que pour mettre lui commencer travail, c'est la raison pour laquelle nous pour pas mettre lui. OK? Ça c'est quatrième portion farine que nous gain avec nous là. Chaque fois mélanger pour sûr que mélange ou bien fait ou nettoyer avant ajouter l'autre portion liquide là ou sûr que farine bien entrer dans vaisseau li pour pas gagne bagaille farine sèche ou bien qui va faire boule dans gâteau là manger un gâteau bien fin bien léger. OK, n'a mélanger. Mélanger, gâteau à la manière haïtienne. OK. Et maintenant, nous partons pour quatrième portion lait là. Mais quatrième portion lait là, nous ajoutons les. Quatrième portion lait. Ajoutez-les. Oui. La joue a bien fait là. Quatrième portion lait là. N'a nettoyé. Nettoyer pour sûr que mélange nous yo bien fait. Mélange homogène. Mélange là, li bien fait, youn entre dans l'autre. OK? Yeah. OK, mélange moi bien fait. Et maintenant, la poudre élévation. Pas de gâteau sans poudre d'élévation. Moi utilise petit cuillère pipiti pour m'ajouter quantité m'a pas ajouté pour me assurer que m'pa gen aucun boule dans ça m'a fait m'utiliser pas soi encore pour bien tamiser poudre élévation tout dépend de quantité que m'te fait comment m'va ba nous quantité recette
Alors, moi, quand quantité me fait, m'ajouter pour d'élévation en vertu de quantité que moi te faire. D'accord? Ok. Pour d'élévation, moi, bien tamisé. Bien tamisé pour pas les boules là-dedans. Ok? Ok. Et maintenant, monsieur que bien mélangé avec la dernière portion de farine, là, moi, ajouter lui. Et puis, moi, fais mélange. Farine fini. Nous, de temps en temps, je tirer le vaisseau. Chaque fois, je fini, je pas besoin de mettre dans l'autre côté. Ok. Et maintenant, nous finissons avec la dernière portion de farine. Seulement, on a fait mélange, on a su que mélange nous. Bien fait. Ok, nous sûr que les n'a pas explication. Pas parler trop près gâteau. L'argent a fait. Ok. Moi, sûr que mélange moi bien fait. Mes pattes là, est capable de filer ton couillon ruban. Et laisse ça ou dit gâteau bien bas. Nous pas fini, non, nous presque fini. Parce que nous pouvons mettre blanc œil. Nous mettons pâte là, un petit place sous côté. Nous pas battre blanc œil. Ou même qui pas gon batteuse électrique ou qui a utilisé ça. Ça, son batteuse à la main. Li bat œil au moment li fait le tourner neige. Parce que œil doit battre pour le tourner yon neige et ceci yon neige ferme. L'homme fin bat œil, je suppose chavirer bol là. Et puis pour œil arrêter là, non, yon pas tomber. Donc, moi-même, quand j'ai une batteuse électrique là, je vais utiliser la batteuse électrique pour faire ça plus rapide. Ok? Je vais utiliser la batteuse électrique pour faire ça plus rapide. Le plus rapide que possible. Mais on petit tête moyen pour la batteuse électrique là. Je vais utiliser dans une. Ok. Nous sûr que les bien chita la place. OK. OK. Et avant de battre, je m'a pas ajouté pincé de sel, me te montrer nous sel. Sel là c'est tout ça haïtien a fait ou ajouter un petit sel. Pas un pile un pincé de sel. Mais faut que moi dis nous sel là li important en pile surtout là pas une batteuse électrique. Le wap bat zoe à la main, celle-là est de neige la monte plus rapide. Ou bien on dit juste tout en tout. Ça, c'est bon à savoir. On dit, pincé de sel. Pas en pile. Ma partie là. On commence. C'est blanc, c'est un abattement pour tous les neiges. Alors, toujours utiliser un vaisseau en cristal pour faire ça. Ou bien en plastique. Gâteau ou qu'à utiliser un petit pipette en plastique ou bien en nickel, pas aluminium,
aluminium par là-dedans. Plastique ou nickel. Bon, pas de neige, mais comment c'est blanc ou carré ça là? Le neige là bien ferme, c'est lui-même qui rend le gâteau à bien léger. Gâteau à la manière haïtienne. Dans le programme Cuisiner avec Denise. Vous seulement besoin de patience, mais on fait deux blancs œufs pour les neiges. Vous avez besoin de patience pour ça. N'a travail. Lancez à travail là. Yes. Si vous voulez ou pas poser des questions dans les commentaires. À trois contents pour nous capables de répondre. Blanc, c'est à capter à main là. À faire tourner neige. Yes, vas-y à travailler pour tous les neiges. Nous avons une neige qui ferme. Donc, question de pas camper dans l'eau. Ou à battre ou battre du film, on va nous camper dans l'eau. La toile bat déjà, ma balle bat encore. Et voilà comment on a planté les neiges là en dedans. Vous voyez ça incorporé. Terme culinaire. Incorporer la neige.
aller en bas là pour moi. Il faut être là pour moi. Je vais prendre mes liquides là dans mon corps. Yes. Ménage là. Meni. Noueli. Noueli. Meni. Noué. Noué, j'en tombe. Pas de petit crasse liquide qui rete. C'est que neige là, li te ferme. Qu'on y a là, qui ça n'a fait, n'a incorporé li dans pâte là. Incorporé, c'est qu'on s'en fait ça. Ou pas bat gâteau encore parce que il finit bat déjà. Et ou pas besoin de neige là fond tout. Ou incorporé neige là légèrement dans gâteau. Ok. Incorporé neige là. Neige là bien ferme. Ouais, même ça qui rete là, meni, on n'y pas tombé. Même petit crasse qui rete dans le vaisseau là, on n'y pas tombé. Après ça, je vais utiliser spatule moyen pour me nettoyer, pour me rentrer dans le gâteau encore. C'est comme ça qu'on fait gâteau à la manière d'haïtienne. Nous avons l'autre moyen nous avons fait pour l'autre gâteau, mais nous devons présenter le gâteau à la manière d'haïtienne. Ou incorporer neige là dans pâte là. Ça prend un petit temps parce qu'il faut sûr que incorporation est bien faite. Incorporer la neige dans la pâte à gâteau. OK. Yep. Bon, m'pren reste neige ça, m'pap kitan yon gaspillé, mais ni vaisseau m'rete bien belle, l'em fin pren neige là, parce que pas yon blanze pour al courir là encore, parce que neige là te bat fermement. Donc, c'est ça que pral fait gâteau ou sorti bien légère. Donc, m'en promet nous, que m'en a montré nous, gâteau à l'éli sous table. Dans un moment bien spécial. Je vais montrer nos gâteaux et laisser nous connaître pour qui ça gâteau a tap fait. Ok? Je continue à faire incorporation pour nous sûr que tout à fait nous bien rentrer. Gâteau nous est bien léger là. Nous avons un gâteau là, oui. Gâteau nous est monté là, tout bagay, oui. Ya, il est monté. Mais il faut être sûr que je a bien rentré. Par un côté li gon un côté li pa paraît ou bien li manke mélange manke fait faut que li mélange là homogène. Yeah, faut mélange là homogène. Nous presque fini. Nous presque fini là. Nous quoi qu'on y a là ou même va faire pratique. Nous d'aller mon faire pratique là et pour vous étiquer ban moi soit sur WhatsApp ou bien sur YouTube, ou bien sur Facebook, ou bien sur Instagram. N'importe côté, y'a ou ka voye le ban mwen. C'est Denise Exil Pierre Paul. Et quand ça wap jwenn sur Facebook, quand ça wap jwenn sur Instagram, quand ça wap jwenn. Alors Denise Pierre Paul Exil, pas Denise Exil Pierre Paul. Ou mette le jan pou mette la pou ka jwenn. Meni. Ouais pat la, men pat la. Mais pas ta gâteau, hein? Tout bagay mélangé. Pat la supposé à tomber dans couillon ruban. Pour sûr que tout a fait normal. Qu'on y a non seulement arrêté pour nous rentrer dans moule. Mais dans cuisine, tout le wap fait gâteau, bon bagay qui rele préchauffage. Qui sa préchauffage là yé? Puisque son coup normal lié. Préchauffage là, c'est foua que ou getan les mains à l'avance. Getan li men fwa à l'avance. Donc gâteau a ka prend 50 45 à 50 minutes. Donc moi li men fwa et puis moi programme l pour quantité le que m'a bien besoin là. OK? Fou m getan li men là et puis kounya là, moi pral mete gâteau nan moule. Pral mete gâteau nan moule. Et puis m'a montré nous gâteau a après. Mais gâteau moi k'ap rentre nan moule là. OK, OK. Ou ple moule là à 3 quarts. Ou pas ple net parce que gâteau après le monter,
L'el monte reska la ap vini. Ou plein moulan a 3 quarts. Ok? Ou plein moulan a 3 quarts, meni. Ou plein moulan a 3 quarts. Et puis les gâteaux a monté. Reste là, a monté. Ok? Ok, c'est ton plaisir pour m'te avec vous. Dans cuisiner avec Denise, vous avez gagné comment pour préparer un gâteau à la manière d'haïtienne. Moi seulement, je vous remercie pour patience. Merci parce que vous abonnez avec nous et vous continuez à abonner avec nous. Et moi souhaite vous bon appétit. Et moi promets tout très bientôt que moi pral montrer où réussite gâteau maintenant. Et moi promets tout pour qui ça m'a fait gâteau. Bye bye, c'est ton plaisir pour me tenir avec vous. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci.